Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Yitzhak Vefani, David Ben Fortuna Mazal Fridna, Dvorah Bat Esther, ainsi que leur fils Avram Noach Ben Yehudit et Rachel Perl, Bat Rivka Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi de une prochaine vidéo, Mishnah Fridna, la sacrée unité éternelle. Nous étions à la sacrée vote, Père Exaïn, Mishnah Bet Amadire, Tishto Shalotit, Om Echad Mikol Aperot, Yotzi Veiten Ketuba. Rabbi Yehuda Omer, Ben Israël, Yom Echad Yekayem, Shnaim Yotzi Veiten Ketuba. Une Mishnah, on continue avec le sujet des Nedarim, apparemment, le mari qui interdit des choses à sa femme, et que sur ça on l'a limité. Tu peux faire la tête à ta femme un petit peu, mais pas trop. Donc, du coup, si tu fais trop la tête, on va t'imposer de la divorcer et de lui donner sa ktouba. Elle sera en droit de la réclamer. Une femme qui vient et qui dit que j'en ai marre de mon mari, je veux divorcer, on va dire, il va lui donner le guet. Mais, lui ne veut pas. Mais en tout cas, il ne sera pas obligé de donner la ktouba, parce que moi, reste marié avec moi, et puis je te nourris, je te loge, je te fais ce que tu veux. Mais là, quand le mari se rend du mal, alors il a l'obligation de la divorcer, de lui donner la ktouba, et en l'occurrence, donc, dans nos Mishnayot, on va s'intéresser à savoir parce que le camp considère qu'il se conduit mal, et que donc qu'il doit la divorcer. Maintenant, on va voir une Mishnah que, en soi-même, on peut peut-être la comprendre, mais elle est incompréhensible par rapport à la Mishnah précédente. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va la traduire, après on va poser les questions, après on va la répondre. Celui qui fait le néder à sa femme qu'elle ne va manger aucun fruit. Tu ne manges plus de fruits. Yotzi veten ktuba, il devra divorcer sa femme, donc tout de suite. Bon. Ça contredit franchement ce qu'on a vu à la Mishnah précédente, parce que la Mishnah précédente, on avait parlé de 30 jours. Sans compter que ça contredit encore par ailleurs, je vous expliquerai après pourquoi. Rabbi Yehuda nous dit attention, non, viens, on fait un petit peu d'ordre. Yom ebe Israël, Yom Echad, Yekayem, Shaim, Yotzi veten ktuba. Pour un Israël d'abord, qui a pris un coup de tête. Et qui va pendant un jour lui interdire, on tolère Yekayem, qu'elle supporte un jour, Shnaim, s'il tire ça pendant deux jours, Yotzi Veden Ktuba, il devra la donner à la Ktuba. Et bien Kohenet, et maintenant si c'est une femme de Kohen, que maintenant, comme on a expliqué, que si le Kohen divorce sa femme, il ne peut plus la reprendre, alors là on va lui laisser une chance un petit peu plus longue, dans l'espoir que peut-être que les choses vont s'arranger, et qu'après ils vont regretter, et puis ils vont annuler le vœu, et dans ce cas-là, ils resteront mariés. Alors que si jamais on les force à divorcer, en plus on arrive ensuite. Donc c'est pour ça que Bako est net, Shnaim et Kayem, pendant deux jours, il maintient qu'elle tire, qu'il tire un petit peu, qu'elle supporte. Shlosha, par contre, si ça dure trois jours l'espoir, alors Yotzi et Ktuba, il devra la divorcer le Nenek Ktuba. Voilà pour la traduction de la Mishnah, mais en fait, concrètement, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui est écrit. Pour deux raisons. Tout d'abord, et on va poser deux questions fortes, mais en fait, une elle va répondre à l'autre, en fait. D'ailleurs. Là, on parle qu'il y a un homme qui interdit à sa femme de manger des fruits. Dans la Mishnah précédente, l'homme, il avait interdit à la femme de profiter de lui. Là, il va lui interdire de manger des fruits. Donc, ce n'est pas ses propres fruits, c'est les fruits du monde entier. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, dans la Mishnah précédente, on avait dit qu'on lui donnait une échéance de 30 jours. Là, maintenant, 30 jours, elle ne profite pas de moi. Donc, ni pain, ni viande, ni œufs, ni fromage, ni rien. Ouais, même le savon et le dentifrice de chez moi, elle ne le prend pas. Elle se débrouille toute seule. D'accord? Ça, et là-bas, on lui a donné 30 jours. Et là, au final, je lui ai juste dit, tu prends pas de fruits. Tu prends pas de fruits. Et là, on me dit, ah, tout de suite, tu la divorces. Là, t'as trop forcé sur la dose. Pourquoi? Première question. Là-bas, tu me donnes 30 jours alors que j'ai interdit de profiter de moi. Et là, je lui interdis juste les fruits et tu me donnes juste un jour. Et déjà, tu lèves les mitraillettes et tu m'embarbes. Pourquoi? D'accord? Première question. À part ça, juste ça n'a même pas de sens. Ça signifie quoi? Je l'ai interdit de manger des fruits. On avait expliqué, je peux interdire ce qui est à moi, à moi, ce qui est à vous, à moi, ce qui est à moi, à vous, mais pas ce qui est à vous, à vous. Je peux pas aller voir quelqu'un qui va manger un sandwich et qui dit je fais le néder que ton. J'interdis, mais son néder, ton sandwich à ta bouche. Tu n'as pas le droit de manger ton sandwich. T'es qui? Je te dois rien. Je peux interdire ce qui est à moi aux autres. Je peux interdire ce qui est aux autres, à moi. Mais je peux pas interdire ce qui est aux autres à eux. Ça signifie que quoi? D'accord, vous avez compris le principe. Ouais, je peux pas vous interdire de manger des pommes. Je peux vous interdire de manger mes propres pommes, pas des pommes. Ça signifie quoi? Que là, il interdit à sa femme de manger tous les fruits, aucun fruit. Quoi? Même si elle va manger chez sa copine, elle pourra pas manger une pomme. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Comment tu peux faire? Pourquoi? De quel droit? Qu'est-ce qu'on s'intéresse à ce néder? Et là, il va falloir expliquer autre chose. En fait, on parle d'autre chose. Enfin, d'une autre situation. Bien, un homme, il n'a pas la possibilité d'interdire à sa femme de manger des pommes. Donc, il n'y a aucune question sur notre Mishnah, il n'y a aucun problème. On parle d'un autre cas de figure, que là, ça nous fait entrer dans une autre paracha de la Torah, de la paracha explicite de la Torah, Tachlès de Matot,
Parashat Matot, où la Torah nous explique que lorsqu'une femme fait un vœu, l'homme a la possibilité d'annuler ce vœu. D'accord? Dans la journée même, on a un jour, Isha yekimenu ve Isha yeferenu. Ma femme, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut dans un certain domaine, mais dans les choses qui me concernent, à moi, ou les choses même qui sont des choses de souffrance pour elle, la Torah elle m'a laissé le droit d'annuler son vœu. C'est-à-dire qu'elle va dire, je m'interdis de manger des fruits, et moi je lui dis, j'annule ton vœu. D'accord? Maintenant, autant que je peux annuler son vœu, je peux aussi maintenir son vœu. Et là, si j'ai maintenu le vœu, je ne peux plus l'annuler après. Ouais, j'ai une journée, dans la même journée, pour, j'ai entendu qu'elle a interdit tous les fruits de la terre, et je lui dis, tu sais quoi? Allez, je t'interdis les fruits, j'accepte. Il lui maintient le vœu. Et c'est ça qu'on parle dans la Mishnah. Et c'est la petite nuance qui va expliquer en fait toute la différence. Là, on ne parle plus du que moi, je l'interdis, parce que je me suis fâché avec elle. Elle s'interdit. Et moi, je viens, alors que je ne suis pas en colère avec elle, en fait. Et je viens et je lui dis, tu sais quoi? Tu as dit que tu n'as pas les fruits? Je te les interdis, t'as raison. Comment dire? J'atteste le... J'agrée le vœu que tu as prononcé, tu restes avec tes fruits interdits. Là, il y a un problème. C'est que c'est sadique de mon côté. J'ai pas d'intérêt, pourquoi je la laisse se faire des souffrances? Là, c'est là toute la différence. Dans la Mishnah précédente, c'est le mari qui interdit à sa femme de profiter de lui, elle pourra profiter de toutes ses copines. Donc de quoi on parlait là-bas? On parlait qu'il a eu un coup de colère avec elle, elle lui a sûrement fait quelque chose, la femme elle peut encaisser pendant 30 jours que son mari est en colère parce qu'elle s'est mal conduite. Mais que le mari, sadiquement, qu'il lui fasse un sale coup, et qu'en fait il a envie de la voir souffrir. La femme elle te dit, je vais souffrir, je vais m'interdire les fruits. Il lui dit, tu sais quoi? Je vais t'aider, allez je t'interdis, je maintiens. Oh, alors là ça devient trop violent là. Là, puisque ça devient sadique, ça devient méchant, hein, il a l'obligation d'annuler tout de suite le vœu, en fait, dès qu'il l'entend. Et s'il maintient le vœu, c'est qu'il a envie que sa femme elle souffre, elle a le droit de réclamer, elle l'écoute. Elle veut dire, tu sais quoi? Ça fait plaisir que je souffre, moi je suis un peu trop bébête, je m'interdis des choses. Mais toi, ça te fait tellement plaisir de voir que je vais me sentir mal, divorce-moi, donne-moi ma ktouba, je suis plus heureux avec toi, elle sera en droit. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout le monde vous sert.